Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma terrasse avec ma famille. J'espère que le confinement se passe bien pour chacun de vous. On a beaucoup de temps pour la plupart, pour ceux qui ne travaillent pas encore, on a pas mal de temps. Et ces derniers jours, j'ai travaillé sur 6 clés pour obtenir des victoires. Pour ceux qui me suivent sur mon compte personnel Instagram, vous avez une vidéo plus longue, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire profiter de l'église de ces 6 clés que j'ai pu découvrir avec d'autres relations, d'autres discussions avec d'autres personnes. Première clé pour vivre des victoires dans ta vie, c'est ne laisse pas la place aux mensonges et aux doutes. One focus, Jesus en tout le temps. C'était le thème du Riviera Camp pour les jeunes de cet hiver. Mais je pense que c'est vraiment un thème qu'on peut garder tout le temps. Peu importe les pensées ou les attaques ou les doutes que tu peux avoir dans ta vie, garde toujours le focus sur Jésus. Satan se masque, se cache derrière des mensonges, derrière des doutes. Il nous fait croire que c'est nous-mêmes qui les pensons et en fait, c'est lui qui nous les donne dans nos oreilles, dans nos têtes. Alors, restons vigilants et n'oublions pas de démasquer l'ennemi afin de réellement savoir ce que Dieu dit sur nous. Deuxième clé, c'est la victoire est une évidence. Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli. Rien depuis est un doute, rien depuis est quelque chose qui n'est pas totalement sûr. Tout est accompli, c'est une assurance que l'on peut avoir et c'est une évidence que nous avons la victoire en Jésus. Donc peu importe ton problème ou ta situation, ton défi actuel, tu as la victoire et c'est une évidence. La troisième clé, c'est l'adoration. On a des grands temps de louange à City Life et c'est vraiment une culture qu'on veut avoir. Mais quand est-ce que, à quand remonte ton dernier temps d'adoration avec Jésus? Ou vraiment, c'était pas une louange juste pour être heureux et être avec lui, mais un vrai temps d'adoration où tu l'as adoré en esprit et en vérité, sans aucune attente ou sans aucune arrière-pensée. À quand remonte ce dernier temps? Il y a une clé dans l'adoration, le roi David en parlait, les prophètes en parlent, même dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent de la louange, de cette adoration continuelle de Jésus-Christ. Il y a une clé derrière ça. Quand tu arrives à louer Dieu, peu importe ta situation, non seulement tu prouves que tu es mature, mais que ton espoir est éternel, que ton espoir est inébranlable. Alors passe des temps de louange et d'adoration qui sont profonds. La quatrième clé, c'est cultive la reconnaissance. Un esprit qui est positif, qui regarde au positif, qui regarde à ce qui va et qui n'est pas focus sur ce qui ne va pas, est un esprit victorieux, est un esprit de longue haleine, est un esprit qui est patient, qui peut continuer, qui go, qui ne s'arrête pas. Et on vous encourage en tant qu'église à vraiment, durant ce temps également, à cultiver la reconnaissance. La cinquième clé, nourris tes rêves, pas tes problèmes. Souvent, quand on est pris dans nos problèmes ou dans des pensées, on a cette tendance à être dans un cercle vicieux et à continuer à descendre et à descendre toujours plus profondément. Mais penser au problème ne va pas le résoudre. Soyons dans la joie, soyons reconnaissants, soyons positifs et rappelons-nous que Jésus a réellement la victoire. Alors quand tu as des pensées qui viennent de l'ennemi, prends du recul, sors de cette pensée et pose-toi la question. Où est-ce que dans 10 ans je serai par rapport à ça? Est-ce que vraiment dans 10 ans, ce sera encore là, ce problème? Est-ce que vraiment ce sera encore présent? Et qu'on puisse vraiment être rempli de foi et d'assurance que Dieu agit en continu, mais au temps voulu, surtout au temps voulu. Alors nourris tes rêves, pense à tes rêves et pas à tes problèmes. Satan va toujours essayer de détruire nos rêves. Parce que les rêves que Dieu a mis au fond de mon cœur, de nos cœurs, pardon, sont des rêves qui vont porter du fruit. Et évidemment, ça ne plaît pas à Satan. Sixième et dernière clé, c'est prophétise les promesses que Dieu dit sur ta vie. On a tous reçu déjà des promesses et on en trouve plein dans la Bible. On vend un livre d'ailleurs en ce moment à City Life. Vous pourrez l'acheter pour ceux qui reviendront en culte en temps voulu. C'est un livre qui regroupe toutes les promesses divines de la Bible. Dieu promet, Dieu nous promet certaines choses. Et si on s'accroche à ces promesses et qu'on les prophétise, qu'on les proclame et qu'on s'y attache, on a cette assurance qu'un jour vraiment, elles s'accompliront. Donc voilà, 6 clés pour vivre des victoires dans nos vies. Je vous invite vraiment à les marquer un endroit, à les méditer et à surtout les appliquer. Je vous aime beaucoup, je me réjouis de vous revoir et on se retrouve demain ou après-demain ou les jours qui suivront pour d'autres encouragements, d'autres posts Instagram. Mais soyez vraiment encouragés durant ce temps de confinement. Dieu a prévu des choses et Dieu n'est pas surpris. Bisous!